Je laisse dériver quoi. Une autre nymphe, il dit tout à tout le monde pêche à 2 mètres. Ouais, ma pro au toc, c'est différent parce ouais, que. Il y a une profondeur, là, c'est quoi, un rocher ? Ah non ! C'est ça. C'est celui que tu viens de rater. Pas un barbeau ça ? Ouais, c'est un rotu. Comme l'autre fois, t'as rappelé celui que j'avais trouvé ? Ouais. T'as vu, il a abîmé. Un petit coup sur le côté là. Ah non, un coup de bec. Ah ouais, peut-être bien. Ouais, moi je dirais plus un coup de bec. Donc, ça veut dire que les autres ils sont passés il n'y a pas longtemps. Alors, pour ça qu'on a peut-être pas beaucoup de touches non plus. Les canards ils sont partis, mais ils ont dû partir avant les canards. Ils ont dû entendre la voiture arriver. Et... Je te garantis, moi j'aurai une carabine avec vision nocturne. J'irai aux gravières là-bas, tu sais, sur la petite île. Ouais. S'en est blindé dessus. Et tu sais, quand t'as la sortie coude. Ouais. Et juste avant là, sur les arbres, s'en est farci aussi. Tu les vois le long de l'autoroute. Ah ouais, ils sont tranquilles là-bas. Y'a personne qui va les faire chier. À part le train qui passe toutes les heures, c'est pas le train qui va les déranger. Ouais, ils vont rester là jusqu'à l'ouverture de la truite et puis après ils vont se barrer. Enfin, je regardais une émission dessus. Il y avait un mec, il a mis 3 tonnes de carpo dans un étang pour qu'elle grossisse. Il l'a vidé au début d'hiver, il a récupéré 300-400 kg de poisson. Oh, je vais y arriver là, fond. Wow. C'est pas le plus gros de la bande qui a pris. Ah, c'était plaisir. J'en ai loupé un il y a 5 minutes. Ah, ils sont là, hein. Oh, c'est bestiasse encore.
52. Et ben l'autre il devait faire 65. C'est bon, mon frère. Monstrueux. Monstrueux.